fait trop, je collisionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. À quel moment t'as perdu la raison? Il y a 3 mois. Je me suis réveillé un matin marié avec un ananas. Hyper moche en plus. Mais je l'aimais. Enfin, je vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami! Il nous faut un plan d'attaque! J'attends. On attaque. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? C'est à moi que vous devez le siège de président que vous occupez. C'est un siège éjectable, ne l'oubliez pas. Et c'est moi qui appuie sur le bouton. Adieu, au revoir, dans les nuages. Tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit avoir des dents. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Vous vous foutez du monde depuis trop longtemps. Je me demande ce que je fais ici. Parti. Attention, je vais crier très fort. No further communication will be accepted. Il y a des aristocrates et des parvenus dans la connerie comme dans le reste. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pointe, je veux le voir. Et je vous promets qu'il demandera pardon. Et on garde à vous. You're fired. Je connais ton honnêteté, mais je connais aussi mes classiques. Depuis Alence laissant enlever une côte jusqu'à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. Que les accusations malveillantes formulées à mon endroit par mes adversaires politiques cette semaine et dont les médias ont abondamment parlé étaient sans fondement. Oh crap! Attention, j'aime pas les questions. Moi, j'aime pas les conneries. Surtout le matin, avant le café, ça agace. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Je pensais que l'enquête serait faite par un imbécile, manque de chance, tombé sur moi. Tu vas mobiliser toute l'artillerie contre ce petit merdeux. Je veux, dès demain, le nom de sa banque, son découvert, son plafond d'escompte. Sa situation fiscale, son casier judiciaire et tout le toutime. Ah, il veut jouer au con. Tu me procures sa comptabilité. Tout ce que tu peux savoir sur lui. S'il y a un cadavre dans le placard, trouve-le. S'il n'y en a pas, on en mettra un. Vous savez quelle différence entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose.
It's Mr. Clean. Mr. Clean gets rid of dirt and grime and grease in just a minute. Mr. Clean will clean your whole house. And I have only five words for you. From my cold, dead hands. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac Dominique. Something, my friend. You ever dance with the devil in the pale moonlight? You filthy criminals. Striking today was Secretary Pompeo's letter, where he essentially, a genuine word, browbeat, and is accusing Congress of... Bing, bing, bong.